بسم الله وكفى وسلام على العباد الذين اصطفى. ربنا اهدنا وراجع بنا واغفر لنا ذنوبنا وسرافنا في أمرنا، وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اجعلنا مصابيح هدى، اللهم اجعلنا من خير من عاش دينك وفسره لخلقك حتى ينتفع به من يريد خيرا له دنيا وآخرة، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous lire le psaume 39 de David, que la paix d'Allah soit sur lui. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence, je me suis tu, quoique malheureux. Le silence est une communication, c'est-à-dire que le vis-à-vis, il ne peut pas comprendre mon attitude, donc je le déséquilibre, et j'ai un dessus sur lui. Je me suis tué, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Donc le silence, il est mentionné par d'autres termes au début. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, bien sûr. Il veut garder le silence, comme notre Santa Maria, que la paix d'Allah soit sur elle, lorsque les Israélites l'ont accusé de quelque chose qui ne peut pas être chez ma Santa Maria, que la paix d'Allah soit sur elle. À propos de la conception immaculée de notre bien-aimé Jésus-Christ, que la paix d'Allah soit sur lui. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Éternel, voilà. C'est notre occupation première. On s'adresse à Dieu par des invocations qui émanent de notre fort intérieur, pur et intègre. Et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Ça, généralement, on ne peut pas l'avoir. Ça appartient à Dieu. Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi, sûrement. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, il y a une pause. Oui, l'homme se promène comme une ombre, puisque la majorité, ce sont les ombres de demain. Il s'agit vainement, sûrement, c'est du pur délire lorsqu'on dit on est, on n'a rien, tout appartient à Dieu. Nos facultés même deviennent des témoins contre nous, parce qu'on n'a pas su les faire fonctionner dans le bon sens, pour avoir l'amour de Dieu, pour avoir ses bénédictions, et fuir sa malédiction. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agit vainement, il amasse, et il ne sait qui recueillera. Bien sûr, il va à sa fin désastreuse. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? Bien sûr, on espère tout. Toute beauté, toute délice, tout bonheur de la part de Dieu. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance, c'est sûr. Délivre-moi de toutes mes transgressions, du péché. Même l'oubli
de l'invoquer, c'est un péché. Pour nous, pour vous les vrais croyants. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Bien sûr, on est loin de tout opprobre. Parce qu'on est des gens rationnels. Des gens qui sont vraiment bien éduqués de par la révélation. On est des gens qui choisissent bien leur conduite, leur attitude, leurs paroles, etc. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche comme au début, car c'est toi qui agis sur moi. Et puis nous avons une fois notre bien-aimé Abou Bakr Sadiq, le meilleur de cette nation islamique, que la paix d'Allah soit sur lui, il a été attaqué, je crois, par un hypocrite juif. Et il a persisté à ne pas répondre. Il est dans son silence. Il est muré dans un silence général non bénéfique. Et à un certain moment, il a le ras-le-bol et il répliqua comme il se doit à cette agression-là. Le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, quitte cette réunion-là ou bien il s'adresse à Abou Bakr Sadiq. Pourquoi tu as fait ça? Parce que j'ai vu tout au long de ton silence une multitude d'anges qui sont à ta défense. Et lorsque tu as prononcé la première lettre, ils sont partis, ils sont évoqués. Donc, le prophète, que la paix de Dieu soit sur lui, veut qu'on doit garder le silence tant que c'est possible. Donc, c'est mieux d'être patient et d'être dans la constance. Car c'est toi qui agis, détourne de moi tes coups, je succombe sous les attaques de ta main, sûrement, parce que sa main elle est forte, assure-moi avec toute la puissance qu'elle a, détourne de moi tes coups, je succombe sous les attaques de ta main, tu châties l'homme en le punissant de son iniquité, sûrement nous sommes dans l'iniquité en général, qui est désastreuse, qui est, comment dirais-je, qui est de mauvais augure. Tu détruis comme la terre ce qui a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle, bien sûr, un souffle divin. Écoute, il y a une pause, écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Dieu dit, comment dirais-je, demandez mon aide et vous l'aurez. Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes. Jamais Dieu n'est insensible. Que ce soit aux larmes ou à n'importe quoi, à tout événement, à toute attitude, à toute situation, Dieu est là. Il est là. Il est le Créateur. Il est le Maître Seigneur. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi. On n'est pas étranger. Mais, vu qu'on n'est pas Dieu, on est étranger par rapport à Dieu. Mais nous sommes les amours de Dieu. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi. C'est-à-dire, je suis votre hôte, et je sais, je crois, que je serai bien traité de votre hôte. Un habitant comme tous nos pères et nos ancêtres, détourne de moi le regard et laisse-moi respirer. Ça, c'est le regard de qui? Le regard de Dieu. On a besoin du regard de Dieu. Il est plein de miséricorde et plein de clémence. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Ça, c'est vrai. On va quitter cette vie-là.
et on va être ressuscité pour être bien traité lors du jugement, et puis nous serons les heureux hôtes du paradis éternel. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.